presse en général, nous saluons tous les policiers, toute organisation, toute instance qui a bataille pour droit monde respecté, pour droit syndicaliste, pas continuer à piétiner. Nous saluons la société civile, là, même qui croit dans progrès et changement. Nous saluons également toute structure qui a bataille, qui a boumé pour capable gagner de l'autre Haïti. Espérons 17 saluer la population dans toute intégralité. Communauté internationale là, qui investit pendant près de 26 ans en dans institution pour nous capable gagner une police de qualité. Espérons 17 là, saluer mémoire policiers qui tombaient et surtout policiers qui étaient sacrifiés 12 mars là. Yon date que nous pas jamais oublier. Nous avons un petit mot pour famille policier sa yo, pour madame yo, yon mot qui vraiment spécial pour petit yo, pour famille yo, pour zami yo, pour nous dire yo SPN 17 pas d'accord, pas accepter que sans ça, sans policiers sa yo qui te coulé dans drame ça de coulé pour grand ici. Yo met quoi dans nous, yo met quoi dans bataille nous. SPN 17 a rappelé tout le monde qui dans pays que yo kon fait un paquet de bonne bataille, que il nous un paquet de bonne histoire que nous mêmes nous fait en Haïti. Dans histoire qui plus récent yo, qui plus récent yo, c'est bataille que nous fait pour que nous capables instaurer démocratie en Haïti. Et n'a fait nous connaître que démocratie ça li charrier yon paquet de bonnes bagay derrière. Donc la liberté individuelle, le droit d'association, la liberté syndicale et j'en passe. Ce sont des droits fondamentaux et inaliénables qui caractérisent la démocratie. SPN 17 a demandé qui ça qui empêchait que l'administration policière là n'est pas capable démocratique? Qui ça qui fait que SPN 17 l'a subi toute répression ça yo? Et si nous t'avons tiré aller, n'après que dernièrement là, il y a deux bagailles qui a passé dans SPN 17 là qui que jusqu'à présent qui a passé nous là, qui prouve à clair que c'est répression qui a fait sous nous, que roi état-major et consort, yo pa gen rien vraiment que y a reproché nous, c'est juste yo gen problème avec structure syndicale là, yo pa vle accepter dans fonction publique là, yon structure syndicale, yo pa vle accepter dans fonction publique policière là, qui sont fonction publique, yo pa vle accepter gagner structure syndicale là, c'est ça qui fait que roi a fait toutes sortes de répression ça yo. Nous gardons nos démarches que vous fait pour être capable d'arrêter l'ancien porte-parole nous à Belson Gonek. Côté que les policiers ou bien capable de dire des hommes en uniforme dans une machine sans plaque, allez la Kaili, vous prenez la avec lui. Vous pas passer en quelque côté avec lui directement dans le pénitencier ensemble avec lui. Et deuxièmement, nous ouais également que gagner encore des hommes en uniforme que vous utilisez, parce que nous n'avons pas qu'à accepter en dedans structure SPN 17 là que c'est des policiers véritablement qui ont fait action ça yo. Parce que nous connaissons les policiers yo, lorsque vous êtes à l'académie, vous apprenez pour yo agir selon sa la loi lui-même lui mandé. Vous gagnez comme boussole la loi. Les actions que nous avons faites là, ce n'est pas des actions qui cadrent avec la loi, ce n'est pas des bagailles qui chita sur des principes qui vont construire une société. C'est ça que nous avons demandé. Est-ce que c'est effectivement des policiers qui font jambé bagaille ça yo? Donc, qui rentre dans la cour KICG nous, Jean Elder le dit, yo entre dans la cour, yo saccagé la cour. Tout ça rejoint la vérité, y compris machine SPN 17 là. Que yo cassé vite là, yo ouvert porte là, yo prend, yo traîne, y a la vérité. Bagaille ça yo, c'est des séries de bagaille qui ne chita sous aucun principe, qui ne chita sous la loi, nous pas qu'à croire que c'est policiers qui font. Donc nous avons tout profité de dire que la presse avec la population en tout,
que si nous avons machine ça dans la rue, li a fait une action ou bien pas connaît, li yon côté à fond bagay, c'est pas membre syndicat qui la donne, c'est pas membre syndicat qui a fait, c'est l'autre monde qui peut-être qui la donne parce que yo prend machine là, j'en yo prend l'homme par contre qui j'en de carrelé, si c'est vol qui j'en de carrelé comme nous gen avocat là qui va faire des points de droit, qui j'en relé bagay ça yo. Donc nous pas n'a chercher explication pour nous bailler avec lui, nous pas ca joindre. Yo prend y a là avec lui, qu'on y a le pas sous. Il n'y a pas de nom, mais nous encore, il n'y a pas de disposition, nous encore. Si nous sommes dans la rue, ce n'est pas nous-mêmes qui mettons dans la rue. Nous avons fait suite avec tous les deux avocats, nous avons M. Mani, et ensuite M. Anel Rémy qui est ensemble avec nous. Après ça, nous avons conclu. Je remercie la presse qui est là avec nous. La presse ne peut pas comprendre que la bataille, ça, nous avons entendu Abdil, c'est la bataille de la police, de la population de l'ordre. Mais la presse là, c'est l'autre zèle qui joue en pilier. La profite et attire attention nous sur présence M. Anel Rémy qui est avec nous maintenant pour la première fois, nous voyons visage ça là. Comme nous disons déjà, bataille SPNH, ce n'est pas bataille. Ce n'est pas bataille SPNH, ce n'est pas bataille police seulement liée, mais c'est bataille population. Nous voyons déjà, nous mettons de Michel qui est avec nous. Ça qui a passé là dans le pays, regardez M. Anel, regardez Barou Port-au-Prince, tout Barou dans le pays. Regardez-nous tous journalistes. C'est-à-dire que la patrie est en danger, nous embrasser tous les amis qui voulaient marcher ensemble avec nous. C'est-à-dire que M. Anel Rémy, il rejoint l'équipe, il est avec nous, bien qu'il était toujours qu'on accompagne nous déjà, mais au moins, visiblement, nous je dis. Il ne pas dire nous demander même après. Et à chacun son métier, à chaque secteur son boulot. Toute société y aspire à une gestion sociale. Toute société aspire à une gestion sociale. Si nous prenons l'église, côté spirituel c'est pas, côté moral c'est pas, côté humanitaire c'est pas. À chacun son métier. Si nous prenons personnel de la santé, il est là pour assurer la santé de la population. Si nous prenons la presse là pour l'informer, pour le former, pour être capable d'orienter la société à un développement. La police lui-même, etc. La police lui-même est là pour assurer l'ordre. Et pour ce faire, il va falloir que la police débarrasse de toute ingérence politique, surtout, pas dire l'autre nom, de toute ingérence politique. Et sciences humaines, ce n'est pas moi qui dis, sciences humaines dit, pour nous débarrasser, nous, il va falloir que nous avons un syndicat. Et c'est ça que fait la loi, même la Convention internationale, il y a un espace pour nous capables créer un syndicat, pour nous capables assurer l'autonomie, force ça. Parce que force ça, ordinairement, sont forces qui sont toujours convoitées par la politique. Alors, maintenant qui contexte nous avons créé SPNH 17, dans le local, ça, nous disons ça déjà, le local, ça, c'est un espace de réflexion. Nous ne réfléchir sur ça, faire Zéglendou. Nous ne pas tuer le monde. D'ailleurs, nous pouvons dire que nous représentons la partie saine de la police nationale d'Haïti. Là, son espace de débat, échange, pour nous comprendre comment on a fait pour aborder les problèmes sociétaires. Et comme nous connaissons déjà, pas besoin de relater toute persécution que nous subissons depuis la création du SPNH, tout tintin qui passe nous là, nous pas besoin de relater. Maintenant, dis-nous, dernier de l'eau, goutte d'eau qui tombait dans le vase là, qui fait qu'on y a enragé, qu'on a déchaîné qu'on y a là, c'est par le fait que il y a deux déclarations qui font. Ces deux points sont soulignés pour nous. C'est eux-mêmes qui font tout virement ça qu'a fait là. Il y a par le fait que c'est nous, coordonnateur général, nous avons annoncé à la presse que il y a un all black. Mais nous avons profité pour dire à la direction générale qu'on est que All Black là, sans danser ou sorti. C'est inspecteurs même qui sont au cadre dans la police qui te dit, qui te ouais, ils ont équipe net à Maro Noir. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Nous avons cherché pour nous salier. C'est ça que nous venons connaître que c'est All Black. Nous répétons moi-même. C'est ça qui fait nous enrager. Deuxième bagaille. Qui fait que nous sommes enragés là, c'est par le fait que nous t'ai demandé, nous t'ai sorti, nous t'ai fait sitting,
pour nous réclamer le cadavre confrère nous qui mourit, monsieur Swatter qui mourit, qui a négligé le cadavre. Mes amis, ça sont logique. Si toutefois, nous avons nous comme exemple, population assistée, la presse, elle, côté que y a deux Dominicains qui étaient l'autre bois, étant donné qu'il y a une volonté, il y a une velléité pour aller chercher les Dominicains, ils allaient chercher sans casse, ils viennent avec eux. Nous songez, madame Groschef, palais national, je te prends, avec qui humour, je t'ai cherché madame ça. Nous croyons que les policiers ont capté le pays, ce n'est pas voler, pas non voler au Tali. Nous croyons que nous-mêmes, nous avons un droit, comme syndicat, qui est là pour la défense des droits des policiers, nous là, pour nous demander, nous avons passé par le même couloir, ça, tout, pour te faire chercher le cadavre de confrère nous. C'est ça, c'est deux bagages ça, qui font que nous avons enragé là, ou nous avons enragé. De toutes les façons, nous avons fini pour, en tant que spécialiste à la matière, nous avons la sécurité et la stabilité d'une nation, parce que moi je fais étude ça à un autre niveau. Population haïtienne, nous avons dit tout le monde, nous entendons dans la presse, nous entendons tout le monde qui a réagi. Mais bon bagage oublié, les États-Unis pas sorti pour faire rien pour nous. Depuis 1915, les États-Unis souterrain ça là, c'est mal à faire nous. Les États-Unis pas fait nous rien qui bon. Regardez pour nous voir comment les États-Unis ont évolué. Moi-même qui était en relationniste en chef du service d'intelligence nationale, m'a fait nous connaître que les États-Unis depuis 1996, ils schématisent l'échec ça à nous voir là. Et bien longtemps m'a dit ça dans la radio. Les États-Unis, pas un pays pour nous penser sur lui, plutôt nous penser à tout l'autre côté. Excusez-moi pour l'expression, plutôt nous penser à la latrine, plutôt nous penser à les États-Unis. Par le fait que nous connaissons au moins la latrine qui a porté compost pour nous, peut-être qu'il a porté fumier pour nous, mais les États-Unis n'ont pas rien serré la porter pour nous. C'est moi-même qui dis. Alors, nous n'avons pas passé par le contrôle, nous, mettons en peut-être qu'il a commenté pour le droit. D'avocats qui assurent la défense de ces policiers. Des policiers qui malheureusement sont obligés de se mettre à couvert pour protéger leur personne. Moi, je dis comme avocat. J'ai rejoint cette équipe parce que j'estime que la bataille qu'ils ont menée, c'est une bataille qui va concerner tous les policiers. Monsieur Brio, monsieur Kina Blende, monsieur Mabdine encore, je rencontre avec un inspecteur de police. Abelson Gonek dans le pénitencier. Il dit Abelson Gonek fait profiter un paquet de bagailles. C'est contre cœur la mettre dans la prison. Je répète, monsieur Brio, monsieur qui a arrêté, qui pensait que pas venir arrêter les policiers, monsieur qui pensait que pas faire exaction sur les policiers. Je dis ça, monsieur. Réfléchis mille et une fois. Parce que bataille, ça qu'a fait là. Même le manipulo, mais connaît que vous bénéficiez de lui. Parce que si qu'à toi, bon augmentation, bon passé, mec fait de la dingue. Et moi, je dis, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons pas intimider par deux blindés. Au contraire, Dieu merci. Bon, je dis ça matin, Dieu merci. Parce que vu le kidnapping qui bat son plein, l'organe blindé, l'organe bris, son bas était chargé. Elle dit, nous sommes importants. Elle dit, ouais, blindé, ouais, bris, vin bambako. Vin ba met mani bako. Au contraire, c'est bien. Mais pour ça, monsieur Sopal permet que mon village de Dieu, mon grand avenue, Alchitanda, grand avenue, comme ça pour avoir un peuple à sécurité. Moi, je dis, mettre Ardel Rémy à rejoindre cette équipe, c'est parce que je connais pas de rien qui est arrivé là. Au contraire, il n'y a pas supposé faire ça. Il y a une heure, si il y a une heure, deux heures, il y a trop de temps. Il était supposé en 30 ans. Il a violé l'espace-là. Il a fait exaction. Et puis pour le monde entier comprendre, et puis pour mettre joute, et pas pour mettre Léon Charles dans une situation difficile, et pourquoi pas mettre la population en fastidie. Moi, je parlais avec Abelson Gounègue. Nous sommes dans la prison hier, cadeau avec tout espérance dans la prison. Et il faut qu'on nous sache que les policiers crient. Mon policier, c'est mon compère Abelson, crié. Un policier qui crie parce que ça fait le mal. Sœur Abelson crie. Mais Abelson dit au peuple un message, journaliste surtout. Il dit bon mon message, nous fais photo. Nous avons fait photo. Abelson écrit. Il est en train d'écrire son histoire à la prison civile de province.
c'est quelqu'un qui dispose d'une morale assez forte. Il faut. M'a dit, rencontré lié paté et m'a dit même message directeur prison a dit. Directeur prison a dit c'est un type pour qui il a beaucoup de respect. Il a fait tout ça capable pour bien traiter. C'est le message que m'a demandé à Belson de vous prodiguer, de vous véhiculer. Lui bien, il a pas maltraité le au contraire, policiers ont fait quête, ils ont fait le joint de cob, jusqu'à présent ça va pour lui. Mais message là, nous avons fait photo message là, Abelson dit, peuple haïtien, c'est beaucoup de policiers au bout de campé. Parce que la répression, ça qu'a fait, n'est pas possible. Nous ne sommes plus à une époque de la barbarie. Nous pas à une époque dictatoriale pour ma vie, pour ma carrière. Pour ça qu'a fait là, Léon Charles est en train de montrer, de confirmer la dictature de Jovenel. Débrouillez nos situations côté liberté d'expression menacée dans la dictature. Débrouillez nos situations côté blindé, bribra, m'baronne salé, chat blindé, chat iso, ou quelque chose, ça c'est chat iso qui acheté, qui devant là. Nous, nos situations difficiles. Et nous, même au niveau de la batterie d'avocats qui assure la défense d'Abelson Brunet, pour nous dire bien que c'est la même action que nous. Non, intenté, même action de fait pour prisonner Petit Bois. Son action en habeas corpus, puisque nous connaissons tribunal fermé, puisque nous connaissons accès à tribunal à difficile et bla prestant. M'a demandé nous faire ça. Permettez-moi d'adresser comme ça avec nous. Parce que nous, ces oreilles, nous permettons de lancer un pile message. Et tout message qui va là, s'il vous plaît, prends le soin dans l'édition journalio, véhicule le message ça. Dit que les policiers en danger. SPNH a surtout en danger. Et on dit chaque citoyen dans le pays en danger parce que le droit pour le tribunal n'est pas respecté. Moi, le tribunal a fait c'est là, mais quand je m'en ai identifié, t'as bien oui. Un avocat au barreau de Port-au-Prince qui sera à son lieu de travail est questionné par les forces de l'ordre de l'armée d'Haïti. C'est grave. Si nous ne levons pas le campé, si nous ne pas de retirer le tribunal là, nous-mêmes journalistes, les arrêtés, nous tous, nous prions. Si nous ne pas de population relâmée, pour justice qui a fonctionné, pour nous-mêmes comme avocats qui travaillent. Nous parlons crier tout. Si arrête tout le monde pour nous là, pas qu'il a gagné nous. Moi, je viens dans la prison. Je viens deux ambulances qui sont en prison. Moi, je suis tombé comme ça. Pour le monde comme ça là, pas qu'il tribunal, pas qu'il justice. Et puis là, je suis tombé dans la prison. Est-ce que ça va bien? On a fini pour nous dire que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Pour permettre à Abelson Brunet de recouvrir sa liberté. Et tout le monde qui est en cavalier tout, nous avons un habeas corpus préventif pardon, que nous intentons. Vous comprenez bien, oui? Depuis que le mandataire, vous sentez la liberté menacée, la loi a une possibilité pour faire action ça, parce que le tribunal fermé. C'est la seule action qu'a fait le tribunal Brunet là. Seule action ça, habeas corpus. Et moi, je m'a dit, je m'a dit encore. Tout peuple haïtien campé beaucoup d'SPNH là. Tout peuple haïtien campé beaucoup de bataille avocat ça. Même Arnel Rémy avec tout notre avocat qui a assuré défense et policier au SPNH 17. Tout policier qui comprend nécessité bataille SPNH 17 là. Moi lance message ça avec nous. Réfléchis mille une fois parce que Jovenel ne sera pas là pour toujours et SPNH a perduré et il continuera à se battre pour les intérêts des policiers. Mais pourquoi arriver dans le commissariat grand et grandasse pour être son matelas en police abdomen? Pinaise, oui. Ou pourquoi arriver quand on toilette en police à toilette? Senti, oui. Ou pourquoi arriver là dans le commissariat pour vous gagner cœur plein? Maintenant pour SPNH à battre pour travailler ça, pour Léon Charles, pas même des culots pour la mettre timide. Nous, même comme avocat, nous dit ça. Moi, je m'apprête à dire, nous sommes chrétiens. Nous croyons que le bon Dieu qui existe. Nous croyons dans le travail, nous croyons dans la capacité, nous croyons dans chaque monde qui est là. Et nous croyons dans tous les journalistes. Je le réitère, je réitère pour dire que Arnel Rémy rejoint une batterie d'avocats. Et nous avons fait tout ça dans le pouvoir nous pour nous permettre que le monde rejoigne une libération. Nous avons fait tout ça dans le pouvoir nous pour justice qui a fonctionné libre. Nous avons fait tout ça dans le pouvoir nous pour que la dictature ne pas retourner encore. Parce que nous ne sommes plus à l'époque du valériste, nous sommes à l'époque où l'on promeut l'état de droit. Vive l'état de droit, vive le respect des libertés individuelles. Merci beaucoup.